avec lui, on est serein. To Marrakech, j'ai rejoint ma famille à Marrakech pour les vacances. Du coup, ce vlog va porter sur nos petites vacances à Marrakech. Ici, ma sœur India. Nous sommes aujourd'hui dans le quartier du Gailiz. J'emmène ma famille faire un petit peu de shopping. Voilà. Alors, cette année, nous avons loué une maison pour être tous ensemble en famille. Généralement, je dors chez ma mère. Là, on avait envie d'être tous ensemble dans une grande maison, donc on a loué une maison. Il y a les filles qui sont là, donc India. Ouh, le petit chat. Ouh, il y a un petit chat qui a failli se faire écraser. India, Athéna, mes petites sœurs, mon père, ma belle-mère, ma mère, Diego, Noémie arrivent dans 3 jours, Mathieu arrive dans 1 semaine. Donc tout le monde va arriver progressivement. Voilà, ce soir on fête Noël et en attendant on fait quelques petites courses. Premier réveil à Marrakech dans notre maison, celle qu'on a louée. Regardez comme c'est joli, la petite terrasse. Et là-bas on a la piscine. J'ai hyper bien dormi et j'ai ramené mon petit tapis pour faire mon sport. Bon, bah les vacances peuvent officiellement démarrer. Le soleil tape, il doit faire 25 degrés. Ma famille est là, nos potes sont là. La piscine est chauffée. Voilà, Diego et Noémie arrivent demain. Donc aujourd'hui, on reste tranquillement à la maison. Le lendemain de Noël, c'est pas mal du coup. On va pouvoir déjeuner. Regardez, on a une petite terrasse qui est là, juste ici. Et ce soir, on sort au resto. Bah oui. Non, non, non. Après le déjeuner, petit tour obligatoire dans les souks. Oh, regardez comme ils sont mignons ces petits chapeaux. J'aime trop. Voilà. Bon, on les connaît par cœur les souks, mais on s'y rend à chaque fois. On s'en lasse pas. C'est un nouveau concept store qui s'appelle Max et Jean. C'est canon. Vraiment une très 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 belle sélection au cœur des souks et vous avez un petit café tout là-haut. Là vous avez un coin accessoires et vous avez aussi un coin vêtements créateur là-bas. Rien de mieux qu'un déjeuner à la pompe à essence de Marrakech, c'est pas une blague. Sur la route de Fès, la voici. Moi je mange pas de viande, mais du coup regardez le pain, les frites, la salade. Diego et Wimmy sont arrivés hier soir. Voilà, juste sur le parking, mais on mange tellement bien. On est dans les alentours de la maison. On se balade en fait, on va jamais regarder un peu ce qui se passe autour. Il y a beaucoup de palmiers, effectivement, des maisons partout. Et voilà, on a envie de découvrir un petit peu. C'est top parce qu'il y a les petites cuisinières qui sont là-bas. Chacun a son poste de travail avec donc la caméra qui donne sur les cuisines des deux dames. Et donc voilà, on est en famille. C'est ma mère qui nous invite tous. On est à la maison arabe. Bon, on va voir ce qui se passe par contre parce que j'ai entendu dire qu'on va cuisiner du poulet. Et moi, je mange pas de viande. Nous avons dû créer des binômes. Je suis avec ma petite sœur India qui m'accompagne dans mon plat végétarien. Peut-être va-t-elle le devenir ?
Je crois pas. Faut jamais dire jamais. Jamais dire jamais. Voilà, puis le reste de la famille qui est là-bas. Mon père, ma mère, ma belle-mère, ma sœur, Diego, Noémie, puis d'autres gens qu'on connaît pas. Là, c'est mon stagine de légumes, il est bien terminé. Ça a été super rapide. Attendez, je voudrais vous montrer, mais j'ai peur de me cramer. Voilà, il va rester là 40 minutes. Pensez au gaz, c'est 40 minutes. Mais regardez si c'est pas mignon, les petits plats de chacun. Ah, il est où le mien? Ah, il est pas arrivé. D'accord, génial, formidable. Génial, ma vie. Dis coucou. C'est comme le bébé, dis coucou. Coucou. Mathieu is back. Il m'a rejoint pour faire le nouvel an avec moi. Regardez ce soleil là de malade, ce sunset. C'est la coupe à la maison. Allez le bleu, allez. Sans manger le chocolat. Allez le bleu, allez. On le dira la Julie. Laisse la Julie. C'est le dernier jour des filles. Elles repartent tout à l'heure à Genève. Voilà, donc on va déjeuner entre frères et sœurs et amoureux sur un petit rooftop qu'on adore à Marrakech qui s'appelle le Cachemara. Aujourd'hui, on passe la journée chez India dans sa maison. Elle a une maison à Marrakech qui est sublime. On vient de finir de déj, juste ici. Et nous allons nous poser juste là. C'est notre dernière soirée à Marrakech. Nous allons au restaurant que nous avons réservé ce soir à Dar Rizlan. Je ne connais pas du tout. C'est le concierge de l'hôtel qui me l'a recommandé parce que Mélanie, notre pote, voulait manger marocain. Et toutes les tables sont prises. Ascenseur, parfait. Et la lumière est horrible. Voilà, j'ai pas trop fait de vidéo. C'est vrai, pendant ces deux petits jours où ça a dit, j'ai eu beaucoup de chillé, je me suis beaucoup reposée. J'ai fait un gros soin, un gros hammam tout à l'heure, donc je suis un petit peu à l'ouest. Et puis voilà, après ça on rentre, on fait nos valises, on se couche. Et demain matin, on part très tôt à Paris. Quoi, un caramélisé ? Des navets à mer, un cocktail de poivron au vert et rouge à la sauce tomate, un caviar de virgin. Yeah. Une autre rangée qui arrive. Attends, folie là. Et c'est pas fini. C'est pas fini ? Voilà, ça je fais quand tu dis, on se prend la vie dessus. Carottes pimentées, la pomme de terre avec la tapenade de l'île verte, couturant, confit, rondelle de carottes, gingembre. Toujours plus ? Il y en a encore. T'inquiète, on est là. Là, bon, citron confit, figue au foin, courgette au foin. Et c'est que la petite madame. Et c'est que la moitié, oui, on est d'accord. Non, c'est la pour madame, désolée. Hein. Wow, on ramène les boules là. Et me voici de retour à Paris, chez moi. Sans grande surprise, il fait très froid. C'est très peu lumineux. On est assez fatigué parce qu'on s'est levé tôt ce matin pour prendre l'avion. Il faisait encore nuit. Voilà, que vous dire d'autre ?
la semaine reprend son cours tranquillement dès lundi. Nous sommes vendredi. Donc voilà. Et je vais surtout démarrer une putain de semaine détox. C'est tellement cliché de faire une détox après les fêtes, mais honnêtement, c'est nécessaire. J'ai dû prendre easy 3 kilos. Je n'arrive plus à fermer mes pantalons. Voilà, entre le ski, les raclettes, le vin tous les soirs, là, les fêtes, je vous raconte même pas. Je sens que, voilà, ma peau est très énervée. Voilà, ça, c'est signe de mauvaise alimentation. Et je me sens pas bien dans mon corps. Donc, voilà, je pense que le prochain vlog portera, du coup, sur ma petite détox de la semaine. À très bientôt!